Tête devant. Pas trop vite. Ça glisse, ça glisse, ça glisse. Viens à gauche, viens à gauche, viens, viens moi. Je suis champion de France. Devant, tête, devant. Allez, devant, passe à gauche. If I hear you talking shit, don't get caught in it. I'll be popping up and get your ass dropping out of shit. You got promises, I got promises. You ain't stopping this. Cross my shit, you'll be knocked unconscious, bitch. That's the consequence. I got this. I will not quit. Le départ de la course chronométrée de la WooFest Paris 2024 vient d'être donné. On est actuellement 3ème avec Texas. L'idée est simple, maintenir cette position. Pourquoi ? Parce que le premier est littéralement le champion de France 2024. Le deuxième a également un très 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 bon niveau. Avec Texas, on va se battre pour la 3ème marche du podium. Ok, relance. Allez. Jessie et Mia font leur entrée dans la compétition. Après un départ assez prudent, sous mes conseils pour éviter de partir trop vite, ils entament également la première côte du parcours. Après une côte avalée à une vitesse astronomique avec l'aide de Texas, c'est parti maintenant pour de la descente. On entame maintenant deux sections techniques. Une descente en dévers qui fait très très mal aux chevilles, en témoigne Jack Sparrow juste devant nous. Et une descente vraiment avec une pente très très raide en plein soleil. Doucement, Tex, 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 Tex. Allez. Qu'en est-il du côté de Jessie et Mia? Ils ont perdu pas mal de temps à travers cette jolie côte. Maintenant, il essaye de grappiller des secondes. Et il faut l'avouer qu'il est plutôt assez rapide, en témoigne cette descente. Gauche. Allez. Ok, go, allez. Et maintenant, on arrive sur un très fort pourcentage. L'idée, ça va être de réussir à relancer derrière. J'ai eu quand même beaucoup de mal. Ok. Qui dit côte dit descente, et là j'ai décidé littéralement de débrancher le cerveau. Allez. Stop. Fake, stop. Allez, tu relances. Maintenant, comment Jessie va appréhender cette descente, regardons ça. Doucement, doucement. Pas trop vite. Ça glisse, ça glisse, ça glisse. Je crois bien que là, il était vraiment sur la limite. Allez. Actuellement, on est en train de se faire coller au basque par le quatrième et Tex apprécie pas forcément ça. Surtout que la chienne est en train de siffler quand elle court, je pense que vous pouvez l'entendre et ça le perturbe quand même beaucoup. À droite. Droite. Ok. Allez, go, on relance. Le lever du soleil plus la brume dès 8h du matin, c'est okay, plutôt sympa. Jessie et Mia ont fait un passage plutôt rapide lors du changement de direction, alors regardons ça. Merci. Ils sont vraiment pas très loin, ils doivent être à peine à 15 secondes du duo qui est juste derrière nous. Moi, ce que je remarque vraiment, c'est une Mia qui est incroyable. Certes, je suis devant, donc ça doit être une très bonne source de motivation, mais c'est beau à voir. Droite. Ok, on relance. Ok.
D'abord. Ok. Ok. Allez. Ok, relance. Je décide de laisser passer le concurrent pour que Texas puisse se reconcentrer et éviter d'être trop perturbé par ce sifflement. Là, t'es... Je crois que Jessie n'est pas au courant que s'il dit simplement droite, Mia ira tout simplement à droite. Couche, 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 couche. Couche. Allez. Oh. Ma faute. Vas-y. C'est bien, t'es. On attend. Ok, on relance. Gauche. Allez, go. Gauche, gauche. Allez, on relance d'abord. Ok, hop. Et évidemment, Jessie est obligée de faire une boulette. Viens à gauche, viens à gauche, viens à gauche, viens, avec moi. En dessous, en dessous, en dessous, vas-y, dépasse, go, 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 viens. Vas-y, go. Droite. Devant. Allez, droite. Non, non, c'est le même. Allez, relance, ok. Allez, ok. Allez, relance. Texte droite. Vous allez bien. Devant, t'es. Gauche. À gauche, t'es. Allez, on relance. Bien, mon loup. Devant. Devant. Oh. Allez, t'es. Allez. Ok. Allez. Allez, on y va. Allez, go, go, go. Devant. Allez, viens. Ok. À droite. Allez. Tu dois mettre le chien. Je te laisse faire. C'est bien ambiant. Droite. Gauche. Pousse sur les blousons. Le soir. Merci. C'est bien ma Mimi. Bah alors ma Mimi. C'est bien mon Mimi. Première course toute seule. Trois malinois, c'est pas mal. Félicitations. Merci beaucoup. Hein. Vous allez avoir la médaille olympique. Hein. Merci. 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 Voilà. Il est fort le premier. Oui. J'arrive en France. Ah ouais. Mais c'est qu'au début j'ai vraiment pensé que c'était toi parce qu'il avait un truc. Non mais non, j'avais de France.
Il est pas là pour rigoler. Mais c'est que dit, nickel. T'as été trop chaud, non? Non, parfait. Ouais. Trois mal du noir quand même. Ouais. 3, 4, 5, c'est bien. Ouais. Bah alors Bilou, Bilou il a fait podium. Bilou il a fait podium. Officielle avec le trophée, félicitations jeune homme, vous allez poser avec monsieur Lucas. Et le tout premier, il a fait un temps exceptionnel, je crois qu'on est proche du record absolu. Le troisième et le deuxième avaient fait 17 minutes, le premier est descendu sous la barre des 15 minutes. C'est une prestation hallucinante, on va lui réserver un accueil digne des JO mesdames, messieurs. 14 minutes, 58 secondes, 72 centièmes pour Jérôme Marion Dubruy. Champion de France qui va participer au championnat du monde. C'est quelqu'un pour filtrer. C'est 50 euros de bon d'achat quand même pour quelqu'un qui mange autre chose. Bah, bah ouais, moi je ne dis pas. Bah, il mange autre chose aussi, mais. Non, bah si vous le trouvez.